Ah, attends. Ah non, j'ai dû tout remonter. Bon bah voilà, bah le level est facile là, là on est vraiment dans classico Tomb Raider. Hein. Allez, faut aller se faire foutre un jour. Ouais non, moi je fais pas ça. Hein. J'ai pas le choix. Eh ben allez. Purée. J'ai pas de bol. Je déteste ça. Oh, en plus, elle est sale. Il y a de la brume. Elle est dégueu, cette eau. C'est les égouts. Il y a une porte. Ah, voilà les trucs bizarres. Il tire des lasers, non? Ça voit ça? Les devs eux-mêmes savent pas ce que c'est, je pense. Je pense aussi. Alors, bon bah voilà, je l'ai pété. Oh bah il me donne le truc. Oh bah super. Eh, dans quelques instants, la porte explose. Hein. Là, elle a le temps de faire le tour de la terre, revenir, et puis c'est bon. Donc on cherche les deux autres pierres. Ça, il faut... Waouh, faut suivre. Hein. Là, il manque une valve. Half-Life. Hein. Oh, ouais, en fait, je viens de m'en rendre compte, mais le jeu, il est sorti. À... Là, le jeu auquel on joue, il est sorti après Half-Life. C'est moche. Hein. À un moment, faut avouer, hein. C'est moche. Là. Le jeu était beau. Hein. Le premier Tomb Raider était beau et tout, mais là, c'est moche. Tu compares ça à Half-Life. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui... Alors ça, c'est un secret. Hein. Bon sang, qu'est-ce qui est arrivé, hein. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein. C'est juste moche, quoi. C'est pas beau. Théma, c'est des gros cubes là. Tu compares à Half-Life, mais c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Ouais, j'allais dire qu'il est sorti vers la sortie de Resident Evil Code Veronica, ça fait mal. Bah oui, mais le jeu est dégueulasse. Hein. Le jeu, c'est un cauchemar. C'est au secours. Le jeu, je crois qu'il est sorti en 2000, hein, lui. Hein. Et c'est grave. Hein. C'est très très grave. Il est sorti en 2000. Je suis plus vieux que le jeu. Hein. Là, c'est grave. C'est très grave. Quand même. Hein. Donc. C'est grave. Attends, mais en 2000, il y a quoi qui est sorti juste pour rire? 2000 en JV. Non, pas 200, 2000. Tony Hawk Pro Skater 2. Oh. Aïe, aïe, aïe. Sorti la même année que Banjo-Kazooie. Que RE3. Oh, le cauchemar. Sorti la même année que Shenmue. Oi, 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 oi. Que deux sexes. Oi, oi, oi. Oh, la comparaison. La même année que Mario Tennis. La même année que... Oh, oh là là. La même année que... Ça sort la même année que la PS2. Oh, le cauchemar. La même année que Jet Set Radio. Oh, Jet Set Radio, il est plus vieux que ce jeu. Que Rayman 2. Oh, ah non, c'est pas beau. Que Spyro. Oh, le cauchemar.
Noël 2000, FF9, ouais. Noël 2000, certains gosses ont reçu la PS2, d'autres ce jeu, j'avoue. T'imagines, t'imagines le même jour, tu pouvais avoir soit la PS2, soit ce jeu. Ouais, j'avais pas capté. Je me doutais que c'était ça, mais c'était tellement moche que j'arrivais même pas à savoir que c'était ça. Allez, go. Oh là là, les égouts de Venise, enfin de Venise, de Rome, tu sais quoi, je confonds. Bah, vous avez fait Venise à un autre moment aussi. Moi, je suis sûr que c'est des niveaux qu'ils ont dit, oh, venez, on fait à Venise, et qu'au final, ils l'ont pas fait, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est vraiment la mode Tomb Raider 2. Hein. En plus, les ventilos. Ouais, par contre, les cloches et toutes ces conneries, il faudra arrêter. La PS2, hein, la PS2, quelle masterclass quand même. C'est vraiment... je pense que c'est le... Bah, c'est incomparable, en fait. La PS2, c'était... Enfin, c'est... La PS2, c'est ma console préférée. Parce qu'en fait, tu... Il y a eu trop de bons jeux sur la PS2. Sur la PS2. Il y a eu trop de choses. Pour pas que ce soit ma console préférée. Il y a eu trop de choses qui se sont passées sur la PS2. Faut pas que ce soit ma console préférée. Faudra qu'on joue à des dingueries genre Shadow of the Colossus. Parce que je l'ai et tout, mais il faudra qu'on y joue. Parce que. Vas-y, Lara. Voilà, merci. C'est du speedrun. Hein. Il y a vraiment des jeux de fou hein, sur la PS2. La génération PS2, GameCube, Xbox en général, c'est banger sur bangers. Ouais, de fou. De fou. De fou, de fou. Je suis d'accord. Même sur Game, ouais, sur GameCube, il y avait des dingueries aussi. Metroid Prime là. Oh là 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 là. Oh là là. Ça servait à quoi de faire ça? Ah, de couper le courant. Oi oi oi. Oh ouais, faut comprendre ce qu'on fait. Hein. Je dirais en bas ça parce que j'ai grandi avec ces jeunes. Non non, mais moi non plus. Moi non plus. Non, en vrai, blague à part, c'était vraiment un moment où les jeux vidéo c'était cool, où on découvrait des nouveaux trucs. Maintenant, ça s'est codifié. Je trouve que, en fait, les jeux vidéo en ce moment, c'est vraiment très, très, très codifié. À part tout ce qui est, bien sûr, jeu indé, on est revenu sur une espèce de surcodification en mode un open world, on va faire comme Assassin's Creed. Si on fait un jeu d'aventure, on va faire comme Uncharted. Si on fait ci, on va faire comme ça. Voilà, en fait, tout est devenu un peu pareil, en fait. Et c'est chiant. On adorait tellement expérimenter à l'époque. Mais c'est ça, en fait, il y a des dingueries. Même Tomb Raider, je suis désolé, hein, on pourra dire ce qu'on veut, mais même Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, le résultat est ce qu'il est. Mais au moins, tu sens que c'est une expérience, le machin. Tu sens que ils ont essayé des trucs, tu vois. C'est pas random. Enfin, c'est un peu random, mais... Tu sens qu'ils ont voulu essayer des choses et qu'on leur a dit non, 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 mais on fait pas ça. Pareil, y a des jeux qui sortent maintenant qui se prennent une droite contre GTA San Andreas. San Andreas, hein. GTA San Andreas. Il y a des détails que tu as dans GTA San Andreas. Ton perso grossit. Y a quoi en fait? Tu peux être gros. Y a quoi? Ben vraiment, c'est. C'est ouf de dire ça, mais dans GTA... Ah oui, c'est là. Ah oui, il est là. Dans GTA San Andreas, tu peux être gros. Mais c'est Camoulox, tu vois. Le fait de le dire comme ça, mais ton perso, il peut devenir gros, il peut devenir musclé. Il peut... vraiment, il y a un délire, quoi. Il y a un truc. Ouah. Par contre, attends. Je suis pas venu ici. Faut rire, hein. Il y a 2 HP, j'ai pas vu. Il y a vraiment des délires dans ce qui se faisait. Période PS2, parce que bon, on dit la PS2, tout ça, mais ça arrivait sur PC aussi, donc c'est vraiment période. Oh le. Je dois tuer. Il faut que je mette dans la tête. Oulé. Ah, il commence à mourir. Ah oui,
ouais, j'avais pas vu que son modèle 3D changeait. Oh, pas mal. Pas mal. Bonne upgrade. Son modèle 3D se modifiait par rapport à quand je le tuais. Pas mal. Yeah. Eh, faut dire, le moteur là, il date de 96. Le truc, il est au bout du roule. Et faut dire quand c'est bien. Attendez. Là, c'est pas mal. T'as, c'est vrai que les mecs, ils ont bossé avec, avec un moteur pendant genre 5-6 ans. Oh, et le truc, il a pas bougé. Hein. Bah, c'est des ouf. C'est des ouf. Que le moteur, il est aux fraises. Hein. Là, sortie, ouais, sortie de Code Veronica, ce genre de truc. Même Tony Hawk, hein, c'est tellement plus maniable, c'est tellement plus fluide. C'est... Là, vraiment, on est dans des trucs, c'est concept. Hein. Puis surtout, je suis désolé. Mais bon, je sais plus où je vais aller. Tu prends un jeu comme Shenmue qui est sorti la même année. Bon, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un autre monde. C'est... Ça va faire comme dans Tomb Raider 3, ça va finir le niveau. Non. Ouais, j'ai même pas pris la trousse de soin. Ah! Mais comment elle est arrivée de l'autre côté? Sortez de là, sortez, qui que vous soyez. Ah, les gens ne respectent plus les embuscades. Pas quand vous y êtes mêlés, non. Je manque un peu d'entraînement, c'est tout, c'est rien. Peu importe, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Shenmue qui a inspiré l'ange GTM, si mais 3 ans plus tard, exactement. Frenchy, je crois qu'il est un petit peu souffrant. Et vous avez pensé que vous pourriez simplement tout garder pour vous? À moins qu'il ne s'agisse d'une visite de courtoisie. Tu sais, c'est toujours un plaisir de voir une belle plante comme toi, Lara. Mais je serais encore plus content si tu me filais la dernière pierre à votre bon cœur, madame. Voilà, merci Lara. Oh là, ça devait pas se passer comme ça. Allez. Ça va être la deuxième fois qu'on va le tuer. Hein. Je rappelle, hein. Non, là, c'est... techniquement, là, je crois que c'est la première fois qu'on le tue. Et dans Tomb Raider 1, c'est la deuxième fois qu'on le tue. Voilà, là, il est mort, on l'a tué. Hein. Moi, je considère que là, on l'a tué. Là, il va mourir. Enfin, regardez. Parce que le boss est en deux phases. Il l'a traité de belle plante. Ouais, bon. Larson, derrière vous. J'ai peut-être pas futé, mais je vais pas me faire avoir deux fois de suite. Ce n'est pas une ruse. Derrière vous. Derrière vous. Attention. Derrière vous. Parce que là. Là, il est mort, là. Ne me dites pas que cet homme est vivant. Je n'accepte pas. Il a été projeté sur 10 mètres. Allez. Je sais plus comment faire. Donc, au pif, on va juste tirer. Il a été aussi crime des balles. Oui, c'est vrai. Mais c'est bon, il est pas mort. C'est simple, hein. Je crame. Shotgun, hein. Attends. En vrai. Non, mais c'est quoi ce boss de la cour de la mairie là? Mais c'est ça. Hein. Mais en fait, on savait pas quoi faire. Elle a pris un gros dragon. Voilà, c'est le boss. Débrouillez-vous. Déjà un dragon. Déjà l'inspi, hein. L'inspi est mort. D'ailleurs, il s'est téléporté parce que il sortait du mur. Hein. Alors je suis mort, mais il sortait du mur. Marrant ça. Oh vas-y non.
Oh, j'ai déconné. Oh, j'ai déconné. Oh, je suis loin. Oh! Ah, ouais, pardon. Ah, ouais, mais je pensais pas qu'il one-shotait le mob. My bad. Non, non, mais on va... ça va aller vite. Je vais speedrun. Faut que je l'esquive par contre. Voilà. Je prends le secret. Maintenant qu'on sait où aller, ça va aller vite. En fait, le truc de Tomb Raider, c'est de trouver le chemin. Mais une fois que t'as le chemin, globalement, ça va vite. Tu cours. Tu cours, ça marche. Hop, la pierre. C'est marrant parce que le mec, le français, s'appelle Pierre. Voilà. Vas-y là, voilà, merci. Ça va aller vite, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Je connais le kung fu. C'est là qu'on récupère le shotgun? Non. Et d'ailleurs, il s'éclaire à la torche, les mecs. Je viens de me rendre compte de ce qu'on vit. Hein. Mais les égouts de Rome s'éclairent à la torche. Ah ouais, c'est... Ok. Ah, c'est pas mal, hein. C'est... Ok. Ah, je juge pas, hein, je juge pas. Hein. Malheureusement, la mairie manque de moyens, visiblement. Donc, je ne juge pas. C'est bricolé, hein. C'est... Ah, on fait avec ce qu'on a, hein. Ah, c'est les impôts, ça. C'est le service public. Comme quoi, en Italie, c'est pas mieux. Hein. Bon, au moins, ils ont la lumière. C'est déjà ça. Tu veux sortir de l'eau, là, ou pas? Non? Pourquoi? Ah, d'accord. Eh ben, voilà. Elle veut pas, donc... Les impôts payent le remplacement des torches dans les égouts. Exactement. Mais sors par contre. Elle ne veut pas. Ça y est. Bizarre cette histoire. En fait, ouais, en fait, c'est vraiment du parkour ce jeu. Les speedrunners, ça doit être du parkour. Hein. Avec 2-3 glitches pour passer à travers les murs, et puis c'est bon. Hein. Parce que, franchement, c'est pas dur, quoi. Tomb Raider 4, je trouvais ça vraiment dur. Parce que Tomb Raider 4, fallait que t'ailles à X endroit, que tu reviennes, que tu fasses des trucs et tout. Ça, c'était dur. Ça, vraiment, c'était chaud, quoi. Mais là, ça va, là. Y'a rien. Là, juste, faut aller tout droit, quoi. On connaît le chemin. Oh, ça va pas recommencer. Elle veut toujours pas. Non, mais ça va pas recommencer. Non, mais c'est quoi ce bug? Attendez. Non, mais c'est quoi ce délire? Elle ne veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas, hein. Ah, je vous assure qu'elle ne veut pas. Eh ben, on est mort, hein. Je suis à deux doigts de redémarrer le jeu. Parce qu'elle ne veut vraiment pas. Donc, Elle veut? Ah non, elle ne veut plus. Elle veut plus. Elle veut pas. Attends.
Je relance le jeu. C'est pour ça. Alors, il y a énormément de bugs game breaking très aléatoires dans le jeu, sûrement pas le dernier. Ah ouais, d'accord. Mais comment ça, game breaking comme dans ma sauvegarde, elle est canée. Ah oui. Comme dans ma sauvegarde, elle est canée. Ah d'accord. Bah super. Allez, on y retourne. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah c'est chiant quoi. C'est super chiant. Je n'en pense pas moins quoi. Allez, on y retourne. Ah là là, Tomb Raider 5. Ah là, elle sort bien. Le dernier niveau, il y a très forte chance qu'un truc se trigger pas et que ça t'empêche de finir le niveau ou des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, attends, parce qu'il y avait, je crois que sur CaptainAlban.com, il y avait Ah ouais, effectivement, il ouais, y a une pléthore de bugs. Oh putain. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Oh purée, ok. Concept, hein. Le fait de... Heureusement qu'il n'y a pas de DLC. Hein. Bon, après, ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait pas non plus. De DLC Tomb Raider 5. Vu comment le jeu, ils sont la fosse sceptique. Bon. Ils ont pas osé. Ils ont pas... Bon, non, on va pas... Non, en vrai, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais ouais, donc le jeu pue vraiment la fosse sceptique, quoi. C'est. Eh ben. Aïe. Allez, où moi ça? Non, mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Ouh. C'est un de ceux que je trouve le plus facile. Mais en fait, il est facile parce qu'il est bugué. J'ai fait une connerie, je crois que j'ai sauté dans l'eau et que sauter dans l'eau, ça te fait bugger. J'ai peut-être tué mon jeu. Oh non, me dites pas que j'ai ruiné ma sauvegarde. Ah non, c'était vraiment tout à l'heure, Elle a pas voulu quoi. Bah je sais pas hein. Bizarre. Attends, je sauvegarde. Tout à l'heure elle a juste vraiment pas voulu quoi. Bizarre. Je me rappelle pas que c'était aussi long. Oh, t'es sérieux? Et là, ça le fait? Oh, mais c'est pas sérieux. Oh, mais c'est quoi ces bugs à la con là? Non, mais à un moment. Il y a un patch pour ce jeu? Mais incompréhensible, mais c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Vraiment, y a de quoi devenir fou. Hein.
J'aime bien cette musique, mais c'est une musique de Tomb Raider 4. Ils ont pas fait de nouvelle musique en fait. C'est BioShock hein. C'est BioShock. Ça va le faire. Il y a des posts sur les forums à propos de ce bug, ça mute. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Ah, les mecs attends, ils sont en mode bah ouais mais j'arrive pas à monter de l'eau. Attends, je vais regarder. Bloqué sous l'eau. Ah oui. Oui, 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 oui. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Waterbug. Ouais, 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 ouais. Ah, d'ailleurs, c'est Trajan Market. Mais Trajan, c'est pas 3, si? Ah non, Trajan, c'est Trajan. Oh, la traduction! Oh, putain! Mais même les traductions! Il y a des solutions super cheloues. Vraiment, c'est... Ouais, on sait pas. Nage un peu, il revient, ça va remarcher. Cheval de 3. Il me semble que Trajan, c'est un empereur. Alors que c'est peut-être ça, le rapport. C'est le marché de Trajan. C'est peut-être parce que 3, il me semble que ça se dit... Ça se dit Trajan aussi, 3? Ah, bonne question, ça. C'est possible. Ouh, les bugs de texture au loin. Oh, les... Ça passe. Mais d'ailleurs, on n'a plus d'explication hein, pourquoi ça a ouvert ici. Hein. Juste, bah, hop, c'est ouvert. Ouais, ok, d'accord, ça se dit pareil. Bah, je sais pas, hein. Que je trouve que c'est une trad un peu naze, marché troyen, mais bon, ok. Enfin, que c'est un nom un peu naze, mais après peut-être que c'est le nom de base. On peut skip les... Non. Ah, les gens ne respectent plus les embuscades. Pas quand vous y êtes, mais en fait, c'est pas une embuscade, ça s'appelle un duel. Donc, vous avez tous les deux des flingues braquées sur l'autre. Une embuscade, c'est quand elle peut pas se défendre. Qu'il manque quelqu'un. Si tu veux parler du Frenchie... Je crois qu'il est un petit peu souffrant. Et vous avez pensé que vous pourriez simplement tout garder pour vous? À moins qu'il ne s'agisse d'une visite de courtoisie. Tu sais, c'est toujours un plaisir de voir une belle plante comme toi, Lara. Mais je serais en... On pouvait skip dans TR4, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là, je sais pas. Bah ouais, c'est un duel, Larson, t'es complètement débile. Ça devait pas se passer comme ça. Larson, y'a un mec avec des flingues qui te menace. Bien sûr que c'est un duel. On se fait un fucking duel. Moi aussi j'ai le pistolet. Hop, il est mort. Faut que je récupère des balles vite. Et derrière vous, Larson. Je sais pas si t'as essayé avant. Non, mais... Ou si, si. Dans la flotte. Ça suffit. C'est assez près, je trouve. Au pire, on se retape les cinématiques. Je vais save là, dans la cinématique, enfin dans le truc d'après. Ce sera mieux. Larson, derrière vous. Vraiment, quand il limite, ça me bute de rire. Ce n'est pas une ruse. Derrière vous. Derrière vous. Attention, derrière vous. Vraiment trop marrant. Ça me bute, hein. Derrière vous. Il fait vraiment genre juste une voix de femme, quoi. Ouf. Non mais il s'est brisé la nuque en plus le mec, il est vraiment mort. Et tu vois, voilà, c'est bon, c'est sauvegardé. Ouh, là ça chlingue. Oh oui. Je sais pas comment on doit les tuer. C'est juste ça? Pas mais le fusil à pompe. Il y a une strat. Moi j'ai pas de strat, du coup je tire. Hein.
Dans le doute, je tire. Je brûle. Non mais il doit bien avoir une strat. Attends. Oui, oui, vas-y, oui. Fais-toi plaisir, tire-moi dessus. Alors, la strat. Ah! Ah, attendez. Il y a peut-être une strat, hein. Déjà, est-ce qu'on peut sortir de cette eau? Oui. Déjà ça. Ça bug. Ah bah ouais, faut juste spammer. Hein. C'est ouais, faut juste spammer, faut leur tirer dessus et puis ça passe. Hein. Skip. Bah go hein. C'est la strat hein. C'est la strat. Putain, j'ai WhatsApp d'allumer, ça fait un bruit de ouf. Je sais pas si vous avez entendu, mais putain. Le giga bruit que ça a fait. Eh, combat de boss intense. C'est passionnant. Chier là, oh. Oh ouais hein. Faut juste les harceler. Bah alors attends, ça te fait chier. Peut-être que ça ira plus vite avec ça. Pareil. Il est chiant ce boss en fait. Et voilà. On arrive au bout hein. On voit le bout. Eh, hey, palpitant, ouais, c'est bon. Oh, aïe, 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 c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, c'était relou, ma parole. Trop long. Symbole de Venus, il est marqué. Venus. Oh, ah, mais non, le passage magique. Super épique. Allure. C'est la porte d'un autre monde. Ah mais leurs lettres avec des accents sont buggées en fait. Ah bon? Attends. Tu penses que c'est ça? Ah non mais... Non, je pense qu'ils font des abréviations genre GDE, trop de soins, PTE... Non, je pense que juste ils sont torchés. Hein. Non, regarde, désolidarisés.
Non, juste... juste, c'est... Les mecs qui ont fait les textes, ils s'en foutaient, genre, c'est tout. Alors, est-ce que c'est moi qui suis con, ou est-ce que c'est le jeu qui est fait comme ça? On va voir. Non, c'est le jeu qui est fait comme ça, très bien.